وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحان الله Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la ville de Médine, après qu'il ait fait l'égir de la Mecque, il a trouvé là-bas des Arabes et des Juifs qui vivaient à Médine. D'ailleurs, les Juifs qui étaient venus vivre à Médine, c'est parce qu'ils savaient dans leurs écrits qu'un prophète allait venir. Mais quand ils ont vu qu'il était parmi les Arabes, ils l'ont réfuté et ils l'ont refusé. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé que ce peuple-là jeûnait un jour. Il lui aura demandé la cause de leur jeûne. Alors, ils ont dit que ce jour-là est le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon et de son armée. Quand Allah ta'ala, quand ils étaient poursuivis par Pharaon et son armée, et qu'Allah a ouvert la mer pour qu'ils traversent la mer. Alors ils ont dit, nous on jeûne ce jour par reconnaissance envers Allah. Et voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de dire, nous sommes plus en droit, nous sommes plus proches de Moussa que vous. Car tous les prophètes, comme vous savez, sont frères. Ils ont le même message. Ils sont tous venus avec le message du monothéisme pur. Avec le même appel, ils ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler toute l'humanité à adorer Allah unique, sans lui donner d'associé. Alors il a dit, nous sommes plus proches et plus à même d'honorer Moussa alayhi salam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi salam a ordonné aux musulmans de jeûner le jour de Ashura. Pendant 2 années, le jeûne du jour de Ashura était obligatoire pour les musulmans. C'est le premier jeûne obligatoire pour les musulmans, avant que le mois de Ramadan ne soit rendu obligatoire. Puis, 2 ans après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé l'obligation du jeûne de mois de Ramadan, et l'obligation du jeûne de Ashura a été abrogée, et elle est restée seulement recommandée. Et il y a d'ailleurs consensus entre les savants que le jeûne de jour de Ashura est recommandé et non pas obligatoire. Au début de son message, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait faire certaines choses pour rapprocher les gens du livre. Il aimait faire certaines choses qui étaient proches d'eux, car ils étaient plus proches du message de l'islam que les autres. Mais après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine, Allah lui a ordonné clairement de se différencier d'eux dans toutes choses, même dans certaines habitudes. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé plutôt de ne pas jeûner le jour de Ashura seul. Et il a dit, si je vis jusqu'à l'année d'après, je jeûnerai aussi le 9e, pour se différencier des gens du livre. Il y a beaucoup d'ahadiths qui encouragent se différencier d'eux. Donc, pour le jeûne de jour de Ashura, nous sommes rentrés donc dans le mois de Muharram. Nous sommes le 2e jour du mois de Muharram. Donc, le jour de Ashura va tomber le samedi. Alors, il y a une divergence entre les savants concernant le jeûne du jour du samedi. Certains voient que c'est interdit de jeûner le samedi, sauf pour les obligations. Ils se basent pour cela sur un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas jeûner le samedi, sauf le jeûne obligatoire, car c'est un jour de fête pour les juifs. Donc pour ne pas ressembler dans leurs adorations, ne pas leur ressembler. Il a dit, même s'il faut manger l'écorce des arbres, il ne faut pas jeûner ce jour-là. Et ce hadith, il y a divergence sur la véracité du hadith, bien que Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a rendu véridique et d'autres avant lui. D'autres savants ont trouvé comment joindre entre ce hadith et le fait que le jour du samedi peut tomber un jour de jeûne recommandé. Comment cela ? Premièrement, le hadith d'Abu Huraira qui est dans le Bukhari, où le messager d'Allah sallallahu
alayhi wa sallam a encouragé de ne pas jeûner le jour du Jumu'ah, du jour du vendredi seul. Et il a dit, jeûne un jour avant ou un jour après. Et tout le monde sait que le jour d'après le Jumu'ah, c'est le samedi. De même que dans le hadith de Juwayriya, qui est un hadith aussi rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et il a vu qu'elle jeûnait le jour du vendredi. Il lui a demandé, as-tu jeûné le jour d'avant? Elle a dit non. Il lui a dit, as-tu l'intention de jeûner demain? Elle a dit non. Alors, il a dit, romps le jeûne, pour ne pas jeûner le vendredi seul. Le troisième hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage et dit que le meilleur jeûne est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour et qui rompait un jour. Et sans aucun doute, celui qui jeûne un jour et qui rompt un jour, une semaine sur deux, il va tomber le samedi. Et il va le jeûner même seul. Donc tous ces hadiths prouvent que ce qui est interdit, c'est de jeûner le jour du samedi seul en cherchant à jeûner ce jour-là. Pour ne pas justement donner de l'importance à ce jour-là, comme les juifs le donnent. Mais nous, on donne l'importance à quel jour? Au Jumu'ah, au vendredi. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner le vendredi. Donc si le jour du samedi tombe un jour comme le jour de Ashura ou de Arafat, alors il ne sera pas dans ce cas-là interdit de le jeûner. Et il sera recommandé, quoi qu'il en soit, de ne pas le jeûner seul. De jeûner un jour avant ou un jour après. Les hadiths qui encouragent de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc le plus juste est de jeûner le 9e et le 10e jour. D'ailleurs, dans la récompense du jeûne de Ashura, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère ou je pense qu'elle pardonne une année de péché passé. Donc barakallahu fikum. Combien avons-nous de manquements dans l'obligation du mois de Ramadan? D'ailleurs, le seul jeûne qui est obligatoire, qui est lié à l'époque, c'est le mois de Ramadan. Car il y a d'autres jeûnes qui peuvent être obligatoires. Quelqu'un qui fait un vœu, ou quelqu'un qui a une expiation à faire. Mais ça, ce n'est pas lié aux époques de l'année, à des dates précises. Mais à part cela, dans les dates précises, le seul jeûne obligatoire est le mois de Ramadan. Et le jeûne du mois de Ramadan. Donc Allah Ta'ala a légiféré tous ces jeûnes surérogatoires pour combler le manque qu'il y a dans le jeûne obligatoire, qu'on a pu écorcher par les péchés, par les manquements, et aussi pour alourdir la balance de bonnes actions et éloigner notre visage du feu de l'enfer de 70 années. D'ailleurs, aussi dans le hadith divin, où Allah Ta'ala dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire, personne ne connaît la valeur de la récompense du jeûne. Et le jeûneur a une invocation qui n'est pas refusée. Quand le jeûneur est en état de jeûne et qu'il invoque Allah, alors cette invocation n'est pas refusée. Les savants ont divergé sur ce moment-là. La majorité voit que c'est le moment de la rupture du jeûne. Au moment où il rompt le jeûne, avant de rompre le jeûne, dans ces moments-là, les derniers moments avant le maghrib, c'est les moments où il invoque Allah et ses invocations ne seront pas refusées. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. De même que le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Le jeûne est un intercédeur le jour du jugement dernier pour la personne. Il viendra et il dira, Ya Allah, je l'ai empêché de manger, je l'ai empêché de boire, je l'ai empêché de faire ses désirs. Alors, donne-moi la permission d'intercéder pour lui et Allah va autoriser le jeûne à intercéder pour la personne qui jeûne. Et vous savez tous qu'il y a une porte au paradis qui s'appelle Rayyan, qui est dédiée aux jeûneurs. Quand les jeûneurs entreront par cette porte, elle sera fermée. Plus personne, à part les jeûneurs, ne pourra entrer par cette porte. Donc, barakallahu fikum, ne laissons pas passer ces occasions, qui sont des occasions pour rattraper nos manquements, pour augmenter nos hasanat, nos bonnes actions, et pour s'approcher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et s'éloigner de sa colère et de son enfer. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il nous permette. فنسأله سبحانه وتعالى يتقبل منا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما